Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Et avant de débuter cette vidéo, je voulais faire un petit message pour vous dire que mon nouveau job se passe très très bien, que je suis contente d'avoir repris quand même une activité, même si c'est un petit peu difficile, ça fait toujours plaisir de se remettre un petit peu dans le bain. Je pense à vous très fort, je lis vos commentaires, je n'ai pas souvent le temps d'y répondre, je m'en excuse encore, mais voilà, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires, je tenais à vous le dire. Donc aujourd'hui, on va pratiquer l'auto-guérison. Ça vous apprendra à vous faire des soins sans passer par quelqu'un. Donc dans un premier temps, vous pouvez mettre un encens ainsi qu'une bougie. Ensuite, vous allez vous installer confortablement. Alors, une fois que vous êtes dans un endroit calme, que vous êtes installé soit sur une chaise ou sur votre canapé, on va commencer par invoquer l'archange Raphaël. On va lui demander de guider nos mains. Archange Raphaël, je te demande de guider mes mains. Je te demande de m'envoyer une sphère verte émeraude d'énergie curative. Vous devez percevoir cette énergie au-dessus de votre tête. Cette énergie remplit votre chakra couronne, puis il descendra sur votre corps et va s'ancrer dans votre chakra du cœur. On va refaire la demande. Archange Raphaël, je te demande de m'envoyer une sphère vert émeraude d'énergie curative. Ensuite, laissez l'énergie descendre par vos bras, sortir par les chakras de vos paumes et remplir votre aura. Laissez vos mains se guider et se poser sur les zones exigeant une guérison. Si votre corps présente des points douloureux, vos mains placées là pendant quelques minutes atténueront la douleur ou la feront disparaître. Je vais vous laisser vous détendre et je vais vous laisser poursuivre avec vos mains sur tout votre corps afin de vous auto-guérir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.